Encore un peu. Encore un peu. C'est bon, top. Il n'y a plus rien. C'est bon. Voilà à quoi ressemble le terrain de jeu des handballeurs nantais et parisiens pour jeudi soir. Une trentaine de rouleaux arrivés de Bercy ce matin, où ils ont servi le week-end dernier pour le Handstar Game. Le Hall XXL de la Beaujoire ressemble enfin à une salle de hand. Des tribunes pour 9000 personnes, près de 160 bénévoles qui s'affairent pour les derniers réglages. Le spectacle va bientôt pouvoir commencer. Dans les 15 jours qui ont précédé, on était sur la partie tribune, on a mis la lumière, on a mis le son. Aujourd'hui, on met le sol, on met les buts. Donc voilà, on commence à avoir une salle de sport avec tous les outils. Tout devrait être terminé, je pense, demain midi. Car c'est à 7 heures que le terrain sera homologué par les instances du handball français. Une décision que le club attend sans trop de crainte. Il y aura sans doute des ajustements, comme il peut y avoir dans toute organisation. Un projecteur qu'il faut incliner un peu différemment. Le terrain, il est réglementaire. Et l'équipe de France joue dessus, les stars ont joué ce week-end dessus, donc non, on gérera les aléas là encore s'il y a besoin, on sortira la trousse à outils là aussi. Pour que tout soit prêt jeudi dès 20h45 pour ce match événement de la 12e journée de Division 1.